En fait, depuis semaine dernière, nous avons que nouvelle ça fait la une sur les réseaux sociaux. Côté que toute opinion publique là est émue par rapport avec dernière nouvelle ça, elle a constaté que journal Le Moniteur a publié le font publication côté que nous avons gagné une compagnie l'État autorisé pour fabriquer des armes dans la société. En fait, le contexte est aussi fragile pour nous comprendre une telle décision parce que là nous dans société côté que insécurité a arrivé dans un niveau pareil dans société côté que chaque jour même autorité a dit yo pas ka gen contrôle quantité d'armes illégales qui rentrent dans le pays a et ou non l'autre société ou non société côté que depuis plus passé un an autorité étatique pas ka contrôler question insécurité a un paquet doute qui dit que gen des mains qui cachent des insécurité a donc monsieur dame qui est sous pouvoir yo. Donc ça dit nous que nous est que véritablement l'État arrivé dans un niveau qui pi bas autorité ou pas même comprendre que contexte là li pas favorable pour que ces décisions ça yo ka prendre dans l'État. Comment comprendre nos sociétés dans toute presque toute région métropolitaine dans le pollué avec question armes. Nous garder toute vidéo côté que des bandits a circulé avec des armes même PNH a pas possédé et puis journée aujourd'hui par rapport avec tout problème société a fait face par rapport avec tout problème pays a fait face monsieur yo jugé nécessaire pour que yo autorisé une compagnie qui vienne faire armes dans pays a. Moi pense que une décision pareille il pas pour utile pays a rien sinon que aider des concessionnaires qui pral gain possibilité pour faire amende dans pays a et nous même à poser tête nos questions dans un an dans deux ans si jodi a n'a fabriqué amende dans pays a si jodi a l'état autorisé des particuliers pour que yo fabrique amende dans pays a n'a poser tête nos questions dans qui société nous pralier dans un an dans deux ans dans la mesure où même ça qui là yo pas gain contrôle sur yo donc lorsque ou autorisé de particuliers pour yo faire amende dans pays ya face en population qui a dit environ 8 millions moun a vivre dans pauvreté nous pensons que gen des problèmes qui plus sérieux gen des problèmes qui plus récurrents dans société a l'état a été capable réfléchir autorité a été capable réfléchir sur yo au lieu que yo té bail autorisation avec de particuliers pour faire amende dans pays ya. Est-ce que c'est sous demande de population pour on compare comme ça rentrer parce que population pas besoin on compare comme ça est-ce que yo pas ta ka venir avec on compare pour venir pour agriculture ou sinon pour venir faire pour qui ça gagne des bonnes qui ça c'est pas une université ou venir avec alors ces quatre figures ça même sont t'a décrit là dans le sens que là nous garder niveau de misérabilité population. En population qui vivent à peu près 8 millions de monde, monsieur, qui vivent dans la pauvreté. Insécurité à l'État, pas même qu'à porter des réponses avec elle. Chaque jour, plus, il y a des citoyens honnêtes qui perdent la vie, vu avec question d'insécurité. Donc, à côté des problèmes de chômage qui sont dans le pays, nous avons des problèmes d'insécurité. Même nous, nous pas qu'à maîtriser. Les armes apprennent chaque jour, plus, et dans le pays, sans contrôle. Moi, pense que, au lieu pour l'autorité de rentrer là, vaut mieux de travailler pour regarder comment pour renforcer l'institution, renforcer la douane, renforcer les moyens de sécurité, renforcer la sécurité au niveau frontière, puisque chaque jour, il y a un paquet d'armes qui rentrent dans le pays. Donc, non, si nous ne pouvons pas même résoudre le problème des armes, si même le problème des armes ne pas résoudre, regardez comment des bandits qu'on a baillé et PNH a défi. Ça veut dire, sous point ça, nous échouer. En termes de sécurité, l'État lui-même est faible. Maintenant, arriver à une telle compagnie, autoriser une telle compagnie pour faire des armes dans le pays, pour faire qui ça? Au profit de qui est-ce? Au profit de qui est-ce? Je vous dis là, société a revendication lui au clair. Qui ça a le besoin? C'est justice sociale. C'est travail. C'est sécurité. Son justice qui forte. Son autre forme de leadership politique. C'est ça que la société a besoin. Moi, parce que le moment n'est pas opportun du tout, pour que l'autorité accepte encore l'autorité arrivée autorisée de particuliers pour venir fabriquer des armes dans le pays. Nous ne sommes pas prêts pour ça.
il faut que décision qu'a prend au niveau l'état ou décision ça yo yo capable marcher en fonction de revendication bien aspiration peuple là. Depuis 86 nous entrer dans bataille pour nous consolider en démocratie. Jusqu'à date c'est en démocratie n'a essayé chita n'a essayé et consolider. Mieux vaut que l'état nous gain là au lieu que chaque jour plus ça prend des décisions pour satisfaire de particulier, vaut mieux prendre des décisions pour satisfaire des demandes de population. Là, nous connaissons que nous côté équipe. L'hôpital nous connaît que l'hôpital de Vagne Capon pour essayer de conseiller des maladies corona parce que nous avons une pandémie. Et puis tout, l'université n'a pas de loisir, j'ai pris de loisir. Et puis tout, nous avons fabriqué des compagnies qui ont fait ou qui ont vendu des armes en Haïti. Qui conséquences ça a gagné pour nous en Haïti? Alors, Fomzo, première conséquence, là, nous avons dit de manière concrète, dans nos sociétés, j'ai besoin d'abord décrire tout à l'heure, quantité d'armes qui sont en circulation, ou pas de contrôle, yo. Parallèlement, les compagnies qui sont dans le pays, qui fabriquent des armes, ça veut dire qui ça? Les qui village de Dieu, les qui grand avine qui ont des armes, ce n'est pas lui qui achète. Donc, il y a des mains qui cachent des armes. Il y a des mains qui alimentent la question de sécurité. Ça, ça bon idée comment que, dans le jour où nous comment nous prenons sans contrôle. Là, nous comparons le niveau de sécurité aujourd'hui. Dans 6 mois, dans 1 an, on compare qui fabrique des armes. Nous pays côté que l'institution faible, côté que l'État, les dysfonctionnels, où il veut comprendre comment le niveau de sécurité peut monter. Au lieu que pour nous bataille pour nous combattre l'insécurité, au lieu que pour nous bataille pour nous rapatrier toutes les armes qui rentrent de manière illégale dans le pays, au lieu que pour nous renforcer les mesures sécuritaires pour que les armes passent à l'étranger pour entrer dans le pays, ou nous autoriser, l'État autoriser une compagnie pour faire des armes. Ça veut dire, ou pas qu'on a combien d'armes qui prennent en circulation dans le cap vinio, si que ne pas pas tourner sous décision ça. Même les gens qui ont alimenté les bandits, même le secteur qui a été caché dans l'insécurité, c'est eux-mêmes en cause de ça pour le service. Ce n'est pas moi-même, ce n'est pas eux-mêmes, ce n'est pas des citoyens paisibles. Est-ce que là? Parce que l'insécurité dans le pays, elle répond à des demandes politiques, elle répond à des demandes économiques, mais elle répond tout à des demandes sociales. Parce que les nègres dans le quartier populaire, elle n'ont pas de travail, ils n'ont pas jamais mettre en tête le jour de travail. L'on particulier pour ton Zambali en mission, l'ouvert de bras. Ça veut dire, moi, je crois que ce n'est pas le temps. Et dans la question, là, vous sautez ces moyens de secteurs importants, l'université, la santé. Je dis à Angade Université l'État, qui m'a comme pousse dans le pays, monsieur? Angade l'État, regardez la situation COVID-19, là, comment tout le monde a plein, au contraire. Ou est comment population ba l'état a une réponse population vu avec comportement li moutro clairement pas gain confiance dans autorité yo. Tout moun rete la caillou en pile moun qui attaqué par fièvre va prend et naturel yo. Ça veut dire que ça manquer une confiance dans institution yo. Ça veut dire yo rete quoi que l'état pa ka et ba yo ça au besoin mais docteur yo fait yo pas de travail et puis tout. Mais l'hôpital Miba, la qui est comme recevoir ta COVID-19 là, je dis pas qu'il y a assez d'espace pour y recevoir mon temps encore. Voilà. Si je dois venir qu'il y a faire ou bien fabriquer ou bien vendre, est-ce qu'on va penser que, vous l'avez dit, on bon le monde qui est capable d'aller, qui est capable d'aller, qui est capable dans le sud-est, qui est capable d'aller. Mais ça déjà, Lisa déjà, alors, la privée, nos niveaux peut-être. Même veille ne pas cave qui les matis en bon pour passer parce que si zami arrivé dans pays à demain si gens autorité autorisé particulier concessionnaire pour fabriquer zami dans pays à monsieur et j'aime saute dit nous jusqu'à présent l'état pas même connaît quantité zami illégale qui circule dans pays à ça clair. Moi, je pense que l'autorité doit tourner sous décision, ça c'est clair. Mais il y a des gens tout. C'est ça, mais et quand même, son l'État, son société va gérer. Il faut que l'autorité soit toujours à l'écoute. La société, ce n'est pas ça le besoin, ce n'est pas ça la revendication, ce n'est pas ça l'aspiration. Mais il y a des jeunes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. C'est formation, j'ai eu une formation, tout. Qui était quoi, compagnie, ça va venir créer emploi dans le pays. Hein?
Moi pense que et faut que pas garder le comme ça. Avant même nous garder et question emploi, yon compagnie pour le fournir zam. Par rapport avec taux de chômage en Haïti monsieur. Combien emploi pour le créer? Faut que garder le coût d'opportunité. Est-ce que créer une dizaine ou encore une vingtaine d'emplois pendant que l'insécurité pays a gain pile possibilité pour augmenter par le fait que l'État n'a pas contrôlé quantité d'armes et qui en dans pays a? Est-ce que là nous ca mettre le cap seulement sur l'aspect emploi encore sous question emploi sans que ne pas garder conséquences ça pral gain sous la vie nous chaque citoyen? C'est alors démarche là c'est pas dit pour nous dire que yon groupe d'entrepreneurs, yon citoyen qui gen volonté servi pays, li gen droit à travers l'esprit d'entreprendre, li mettons activité économique sous pied. Nous par contre ça, mais fok ou garder qui ça, fok nous juger le nécessaire pour nous qui ça société a besoin. Moi pense que au lieu pour nous là, nous ka investi dans de l'autre secteur. Nous pas en guerre là monsieur. C'est nous qui créons crise là. Crise là sont crise politique d'abord. Donc c'est des décisions étatiques, c'est des volontés politiques qui pour faire rupture avec ça n'a vivre là. Donc c'est pas zam n'a pour porter solution avec ça n'a vivre là je dis à. Faut que nous garder et qui gens pour nous mettre un problème yo. Jusqu'à présent, ensemble analyse, ensemble discours, ensemble position qu'a prend sous question compagnie zam nan. C'est des discours quelque part qui chita seulement sous publication les moniteurs là. Mais pourquoi il y a trop de communication sur ça qui est pour avec le fonctionnement de la compagnie? Est-ce que son compagnie, par exemple, qui peut le faire pour Haïti? Est-ce que son compagnie qui peut le faire pour exporter? Est-ce que là? Mais on t'a dit que son compagnie qui fait ça pour Haïti. Mais monsieur, avant même nous entrer dans des marchés, je ne suis pas décrit là. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays côté insécurité arrivé dans un niveau pareil. Pour que c'est ça qu'on a pris comme décision, pour que c'est ça qu'on a autorisé. C'est ça qui est mon problème. Ce n'est pas l'acte en soi, ce n'est pas le fait qu'un citoyen décide, qu'un groupe citoyen décide de mettre un compagnie sous pied. Ce n'est pas ça le problème. Non. Mais gardez-le dans le cadre social, gardez-le dans le cadre macro, dans le sens que niveau social, niveau économique, même niveau moralité société, je dis à monsieur, est-ce que nous sommes prêts pour nous faire face avec une situation pareille? Pas quoi? Il y a des gens qui disent pendant l'État font une commission pour faire des armements. Là, invité bal accès avec compagnie vinn faire zam. Bon quand même son contradiction quand même pendant même ou bataille pour que ou gen contrôle quantité zam qui gen dans pays ya, ça t'a vle dit que l'état te déjà connaît li gen limite dans la mesure où li mouton en commission CNDDR pour que yo ka rentre dans démarche de désarmement. Ça vle dit l'état d'accord que nous avons vivre dans société côté que circulation zam n'a pas contrôle li. Maintenant comment en parallèle nous fait mettre nous fait autoriser yon compagnie pour venir et fabriquer zam pendant nous même nous dans démarche nous dit n'a pacifié pendant nous dans démarche nous dit n'a rapatrier zam dans quartier populaire. Et ceci si zam ça qui dans quartier populaire monsieur par le fait que c'est des armes sans contrôle, par le fait que c'est des armes qui ont des gros mains cachés derrière eux, n'a pas mal de tête nous. Les n'ont pas de possibilité pour l'acheter des armes aux États-Unis pour le rentrer avec eux là, les en bas, mais là, nous comprenons qui ça veut dire. Pour avoir un contrôle plus territoire, parce que nous avons dit ça déjà, la question de sécurité en Haïti, répond avec des demandes. À chaque fois que il y a des groupes qui ont besoin de contrôler soit des territoires politiques, soit des territoires économiques, ils arrivent et fragilisent les zones. Donc nous comprenons comment la société a explosé. Et je pense que ce pas trop tard pour que l'autorité, la société civile, nous tous cap bataille, monsieur, pour nous dire qui société nous besoin, qui choix l'État doit faire, qui orientation nous doit faire l'État. L'État pense pour qui monde, pour qui société, pour qui modèle de monde. Si nous avons l'État, qui là pour ramasser ensemble des revendications peuple là, si que nous avons l'État qui voulait transformer revendications en projet, si que nous avons l'État qui voulait une société dans 10-15 ans, nous garantissons que ce n'est pas forme décision ça, ce n'est pas ça qui a facilité. Au contraire, nous avons facilité la production nationale dans le secteur agricole là. Au contraire, nous avons développé l'autre pôle, nous avons encouragé petites et moyennes entreprises. Moi, je suis perdu là.
les map li et publication les moniteurs sous question et fabrication zam nan pa quoi que moment opportun m'pa quoi que je dis c'est ça société a besoin moun yo c'est grand goût au grand goût monsieur moun yo c'est sécurité au besoin moun yo c'est l'école yo besoin moun yo c'est infrastructure de base yo besoin c'est sous ça pour nous travailler c'est sous ça pour nous travailler donc l'État doit suspendre au service d'un particulier encore au service d'un seul secteur. L'État doit à l'écoute de la population. Parce que l'État avec la société doit marrer et c'est ça qui doit former l'État-nation. Mais c'est comme quoi l'État en côté qui prend des décisions et pour une société l'autre bord qui a de l'autre attente, qui a de l'autre revendication et puis l'État a dit « ça fait société ça ». Mais nous pas qu'à vivre comme ça. Il y a un truc qui dit comme ça que vous avez pensé à faire qu'on a tapé une opportunité pour relancer et secteur et couturier en dedans pays en côté yo te gen droit arranger yo fait moun yo coud et puis l'état servi ensemble avec eux au lieu d'aller acheter pile masse et d'aller faire pile dépenses en Chine. Alors et nous toujours dans des discours ça yo nous dit nous raté 12 janvier nous dit nous raté 86 nous pral dit nous raté corona. Moi pense que forme discours ça trop facile corona son pandémie qui a ravagé le monde dans Haïti. Ou t'as qu'à servir avec Corona pour conscientiser la population. Mais puis quand on est pour le montrer, c'est Corona qui va le faire, nous sortir dans notre dirigeance. Mais monsieur, si nous prenons exemple la corruption est instituée en Haïti. Si nous dans l'école par le fait que ou pas un système économique qui diversifié, puisque le système économique n'a pas qu'à absorber et main-d'œuvre qualifiée et main-d'œuvre non qualifiée, tout le monde a pensé à rentrer dans l'État. Donc à chaque fois que on monde dans l'état dit ah mon comportement là mais nous pas qu'à continuer à appeler une société comme ça l'état doit une élite politique qui prépare pour mener bac l'état mais tout faut que si monde qui dans lycée aujourd'hui faut pas penser l'elle fini son marraine pour gain pour faire le travail et c'est ça que fait me dire dans approche pour garder problème pays nous doit garder une approche multiple c'est que ou pas qu'à garder problème pays de manière spécifique soit garder problème chômage là monsieur dans pays là li économique mais li lié tout avec des décisions politiques côté que l'état pas de jambe mette et prend ça à cœur donc moi pense que nous devons sortir dans schéma à chaque fois que nous fait face à des crises et puis nous dit tête nous corona doit une opportunité mais attention monsieur problème plus global que cela jodi a par le fait que nous avons un déficit au point de vue sanitaire, c'est un manque de volonté politique lié, son conscientisation lié, c'est société qui pour dit tête li, qui modèle monde li besoin, qui modèle l'État le besoin. Mais quel que soit coronavirus, et puis avec notre dirigeant ça yo, avec même réflexe politique, avec même système de valeurs, avec même et système électoral ça là, comment faire nous penser nous avons l'autre société? Comment faire nous penser changement est possible? Sinon que préparons un projet global. Alors même professeur Delson 6, ou est-ce que la société n'a pas mérité un compagnie et qui vient faire ça, qui vient vendre ça en dame? Non, ça clair, N-O-N, non. Ce n'est pas ça que la société a besoin aujourd'hui. Nèg sa yo, concessionner ça encore, moun sa yo, qui te gen l'idée, camper compagnie ça, m'pa kon zak del. Si c'est ta envie pour faire l'argent, m'pense que gen de l'autre secteur qui a investi dans yo. Si c'est ta une volonté pour que yo servi pays ya, on pense que gen de l'autre choix yo ka fait. Parce que jodi a nous doit encourager petite et moyenne entreprise. Nous doit encourager le secteur agricole. Nous doit encourager emploi pour des jeunes. Nous doit encourager l'école professionnelle. Nous doit encourager l'université. Gardez force ti moun ki sou chan massa jodi a pa ka l'école vu avec situation socio-économique parent yo. Mais pour qui ça pas jamais gen des décisions qui prend pour nous aborder problème ça yo moi crois que le moment n'est pas opportun pour que l'état autorise des monde vienne fabriquer des armes en dans société c'est pas ça société a besoin cependant les n'a fait des analyses politiques nous ca aller plus loin pour nous dire tête nous les on pouvoir contester le conseil des autorités qui pas gain légitimité comme ça ou ca poser des questions ensemble des décisions qu'a prendre est-ce que c'est pas pour détourner l'opinion publique ça important bon paquet de bagaille qu'a fait là yo gen des objectifs politiques à court à moyen à long terme donc non situation de crise pareil moins rester quoi que président Jovenel li gen deux monde
qui formé qui bon côté qui capable faire ces analyses ça analyse ou encore qui cap poser tête aux questions ça qui ça société haïtienne dans besoin aujourd'hui à qui choix l'état doit faire aujourd'hui à pour porter des réponses à des problèmes. Est-ce que c'est fabrication d'armes ou encore mettez manger dans cette monde? D'abord, discours de campagne là sur qui ça le chita. Là, on perdu. Et, ma plançon appel avec toute société civile là, avec tout groupe organisé, avec tout monde qui en dans pays là et qui en dehors société là. Je dis, il est temps pour nous prendre destin nous en main. Si nous pas camper pour une bataille, pour nous dénoncer, si nous pas fouer, mais nous n'en pas là. Nous garantissons, nous tous n'avons mouru et puis le pays a prêté, peut-être c'est blanc qui a bien pris. Et pour me finir, je dis nous-mêmes qui journalistes, je prends un gros coup de chapeau parce que c'est nous toujours là. C'est nous toujours là pour porter revendication au peuple. C'est nous toujours par les gens qui sont plus vulnérables au micro pour faire dans des cris. Et je dis nous, monsieur, pas la guerre. Bataille a fait continuer. Nous devons l'autre société, nous devons l'autre jeunesse, nous devons gagner de l'autre alternative dans le pays. Merci. Et ça veut dire pas que balai. Et si nous avons fait la réalité, pour qui ça va être pas exemple? Nous avons gardé qui valait. Des autres, ça m'a fait paquet de jeunes qui n'ont pas accès à l'école, ces amis qui nous ont mis. Et puis, ouais, je ne veux pas dire, c'est pour pas qui peut aller s'aller en Haïti. Pour qui ça, c'est pas une université qui a fait, soit le faire Jacques Mel, soit le faire le Cabahitien, soit quel que soit le pays. Parce que moi, jeunesse là, ils ont besoin d'une université, ils ont besoin d'une école. Mais ouais, c'est un pays pour qui ça, ça m'a. Est-ce qu'il y a Haïti pour aller? Est-ce que ces armes de garde la population haïtienne a besoin? Est-ce que c'est un demande de la population à faire? Est-ce que vous considérez la population pour vous de garde venez avec un compagnie d'armes en Haïti, la bénéfique pour la population haïtienne? On ne va pas arrêter comme ça. Pourquoi la population a plus besoin de travail? Pourquoi la jeunesse haïtienne a plus besoin d'espace pour le travail, pour aller à l'école? Mais ce n'est pas les armes que vous avez fait dans le pays. On a bagaille à faire encore. Je regarde en moniteur avec capital social là, je vais faire comprendre qu'il y a environ 5 millions de gouttes pour ouvrir une compagnie comme ça. C'est faux. Il faut que vous ayez dit que vous avez fait une compagnie ça. Et puis je regarde des gens qui actionnent dans une compagnie ça, nous avons un paquet de gens qui sont affectés avec Paris National. Nous disons que pour voir ça, il y a un complot pour faire des amendes de pays, pour tuer la population haïtienne. Dans ce sens, nous-mêmes en tant que jeunes, nous croyons que ça nous concerne. C'est la raison pour laquelle nous allons faire tout ça possible pour le ministre du commerce lui entrer à arrêter ça de manière à ce que, pour comparer les armes, ça va venir installer dans Haïti. Si nous avons une petite considération pour ensemble les armes qui sont déjà légales, illégales, en circulation dans les pays, on voit ça, on voit même déjà avec moi, sur tous les réseaux sociaux, comment les armes. Même les jeunes dans le quartier populaire, qui savent aussi avec mon pays, qui savent capable de faire en plus. J'avais dit, je t'ai dit, pour Saint-Clair, facilement, n'importe qui a répondu à une question. Elle a dit, c'est plus de 10 ans qui parlent dans la société, c'est plus de jeunes qui parlent dans les armes. Je ne veux pas dire, là, le gouvernement, il a mis une commission côté cap prendre les armes dans les jeunes, et puis paradoxalement, il a mis un compagnie des armes. C'est quoi ça? Il n'y a même qu'à contrôler les fonctions, et puis il a mis un compagnie des armes installé dans Haïti. C'est pas les autres qu'on n'y a pas connu. On parle de l'homme. On parle d'habiter dans l'homme. C'est Haïti qui a besoin de prendre net. On parle de créer des armes pour quitter son travail. Parce que l'homme est en matissant. Aller bien rapide. Aller cité soleil. C'est des armes qui nous mènent. Ou même nous avons quitté le quartier populaire. Nous ne pouvons pas compter pour y aller. À cause de ces jeunes qui ont amené avec ça. Je ne veux dire, c'est un combat d'armes. Nous avons installé un de pays. Nous disons, non, c'est pas pour ça. Il va ça nous besoin. Nous besoin plus d'école, plus d'université. Nous besoin plus de factories, industries pour jeunes de travail. Nous avons besoin d'examen dans le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup.